Chers téléspectateurs et auditeurs de Congo Horizon et tous les médias patriotiques, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous trouvez. Ce n'est plus un secret pour personne. Il y a plus d'une décennie, la République démocratique du Congo, ce beau et grand pays au cœur de l'Afrique, est assujetti à un régime d'occupation étrangère. Cette occupation, vous vous en doutez, est incarnée par celui qui se fait appeler Joseph Kabila, mais que les patriotes et résistants appellent Hippolyte Kanembe. Face à cette situation, un homme s'est levé, non seulement pour dénoncer, mais aussi et surtout pour lutter ensemble avec le peuple congolais en vue de libérer cette terre du grand et majestueux fleuve Zaïre. Aujourd'hui, il est reconnu sans le moindre doute comme le père de la résistance patriotique congolaise et l'incarnation des aspirations profondes du peuple congolais martyrisé. Cet homme, c'est bel et bien M. Honoré Mbanda Zamboko Atumba, le président national de la PARECO, dont nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui. M. Honoré Mbanda Zamboko Atumba, bonjour. Bonjour, Benoît. Actualité et politique vraiment pleine de rebondissements, et surtout avec les faits aussi qui se passent par le monde, Congo Horizon et tous les médias patriotiques sont vraiment très ravis de votre disponibilité. Et sans plus abuser de votre temps, ma première question est celle de savoir quelle lecture faites-vous ou quels sont vos commentaires sur la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, spécialement au sujet des interventions du secrétaire d'État américain, du ministre congolais des Affaires étrangères et de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, M. Honoré Mbanda. Merci Grégoire. J'ai eu le privilège de suivre cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en direct parce que mon cabinet avait pris les dispositions d'obtenir le lien de cette cérémonie et ils me l'ont envoyé, ce qui m'a permis de suivre cette réunion en direct. Je dois tout de suite vous dire sans embâge que c'était un exercice pénible pour moi de suivre cette réunion du Conseil de sécurité. C'était réellement pénible. J'ai encore été plus peiné d'entendre beaucoup de Congolais se réjouir outre mesure. Je prends les trois cas que vous avez cités, les trois discours que j'ai personnellement suivis en direct, le discours de John Kerry, le discours de Tshibanda et le discours de la passionnariat rwandaise, le ministre des Affaires étrangères. S'agissant d'abord du discours de John Kerry, j'ai suivi les réactions des Congolais. J'aimerais vraiment demander à mes compatriotes congolais, il faudrait vraiment que nous puissions un peu sortir de cette gaminerie intellectuelle, de nous réjouir de n'importe quoi, très rapidement, de dire « voilà, maintenant les Américains sont pour nous ». Parce qu'il faut savoir lire les signes. Avant cette réunion, John Kerry a fait une déclaration très forte, accusant nommément le Rwanda et l'Ouganda, et surtout le Rwanda, d'être à la base de toutes les guerres et de tous les désordres et les violences que nous connaissons chez nous. Il a accusé le Rwanda d'être derrière le M23. Son président Obama a emboîté le pas et il est allé plus loin. Il a mis le Rwanda en garde et l'a sommé de retirer ses éléments de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous avons constaté au sein de cette réunion du Conseil national de sécurité, là où on devait maintenant prendre des positions qui doivent conduire à des actions? Dans le discours de John Kerry, il n'y a eu aucune fois où il a cité le Rwanda. Ça doit être un signe pour nous que c'est un jeu, c'est un calcul.
C'est bien, nous devons nous réjouir qu'enfin, maintenant, une puissance comme les États-Unis, qui était derrière l'agression de notre pays en 1996, commence maintenant à prendre distance, ne fût-ce que verbalement, avec le Rwanda. Mais ce n'est pas une raison pour nous réjouir outre mesure et de croire que maintenant les États-Unis sont pour nous et que le problème va être résolu. Voilà pourquoi je reviens et je dis toujours, mes amis, mes frères, mes sœurs, la libération de la République démocratique du Congo, notre pays, ne sera pas l'affaire d'un pays étranger, c'est l'affaire des Congolais. Mais ce qui m'a fait beaucoup plus de peine, et je vais un peu m'apesantir là-dessus, c'est le discours et le comportement du ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'occupation à Kinshasa, Tshibanda. C'est pitoyable, c'est pénible, c'est macabre de voir cela. Voir un ministre des Affaires étrangères, la réunion qui a été convoquée, ça a été convoqué pour l'occupation de son pays. Il arrive dans cette réunion, il tient un discours où il ne cite à aucun moment, il n'identifie à aucun moment les agresseurs du Congo. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Et quand on ajoute à ce discours où il lisait son papier et on voyait comme un élève qui est devant le jury parce que ses maîtres rwandais étaient en face de lui, et quand on voit leur comportement, comme selon le témoignage de nos frères qui ont assisté dans la salle, parce que dans les images que j'ai suivies, je n'ai pas vu l'entrée dans la salle. Mais les Congolais qui étaient présents, Yaling nous en a donné le témoignage, ce n'est pas un gamin, ce n'est pas n'importe qui, de voir que les Congolais, la délégation congolaise qui entre dans la salle, qui était en face de la délégation rwandaise, va d'abord à la ligne indienne, Lokola Milongo ya Sombo, comme on dit en Lingala, tous pour aller se prosterner devant la ministre rwandaise, la saluer et rentrer dans s'asseoir. Tout cela, le comportement et le discours de Tshibanda, où il ne cite à aucun moment le Rwanda, ni l'Ouganda, ni Kagame, ni Museveni, sont des signes. D'abord, pour être comme des signes, il faut d'abord voir ce que ce geste-là comporte. C'est comme si, permettez-moi de vous donner un peu cette image-là, j'aime souvent donner l'image, une famille de plaignants dont les assassins ont tué et violé la mère et égorgé le père. Ils arrivent au tribunal, et au moment où ils arrivent au tribunal, avant d'aller s'asseoir, ils vont tous aller saluer les assassins dans leur bosque. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Et ensuite, pendant le procès, on leur pose la question, reconnaissez-vous l'assassin de votre père ici dans le tribunal? Ils disent non, parmi nos voisins, ce sont des gens qui sont venus nous attaquer. Allez donc, c'est quel type de niaiserie et de gaminerie intellectuelle? Mais quand vous lisez le discours de Tshibanda, il y a un message, un non-dit. Moi, je vous dis ça parce que j'ai exercé ces fonctions avant Tshibanda. Et quand je le vois, quand j'ai vu Tshibanda, quand j'ai vu son discours et son comportement, j'ai compris une chose de très importante, d'extrêmement important. Parce que moi, j'ai représenté le chef de l'État dans les réunions. J'ai été l'envoyé spécial du chef de l'État des dizaines de fois. Mais quand quelqu'un va pour représenter son pays, comme Tshibanda est parti, il part avec les consignes du chef de l'État.
Vous aborderez tel point, vous vous arrêterez là-bas, vous n'aborderez pas ceci, vous ne ferez pas ceci, limitez-vous à cela compte tenu de nos rapports avec tel et tel pays, vous allez tenir compte. Le chef de l'État vous donne un créneau de consignes dans lequel vous devez évoluer. Alors quand on voit Tshibanda évoluer, moi, j'ai tout de suite fait une lecture. C'est qu'il a laissé, il a reçu les consignes du Rwandais qui est à la tête de notre pays, que quand vous serez là-bas, faites attention. N'essaye pas de toucher à mon pays, le Rwanda. N'essaye pas de citer le nom de mon patron Kagame et de mon patron Museveni. Si vous le faites, vous aurez des problèmes. Et quand vous voyez le comportement de toute cette délégation qui entre et qui va d'abord directement saluer Mushikiwabo, ça veut dire quoi? C'est tous ces gens savent que leur patron à Kinshasa est rwandais. Et il est soumis à l'autorité des Rwandais qui sont là-bas. S'il ne se comporte pas bien vis-à-vis de la passionnariat rwandaise, elle va décrocher son téléphone, elle va appeler Kabila, et pour dire « vos hommes ici ne se sont pas bien comportés », ils vont perdre leur poste. C'est ce qu'il faut lire entre les lignes. Ça, ce sont les démonstrations des séquelles de l'occupation. C'est pour dire que nous, les résistants, nous ne devons compter ni sur l'ONU, ni sur la communauté internationale, ni sur les collabos. Ils savent que leur patron est rwandais. Ils ont accepté de servir les Rwandais. C'est un peu comme les Égyptiens qui disaient à Moïse, nous aimions bien rester en Égypte et servir les Égyptiens. C'est ça que les collabos, dont nos frères collabos disent, nous aimons bien servir le Rwandais qui est avec nous. Parce qu'ils savent, tout ce problème se résume à une seule et même situation, c'est que le Congo est sous la conduite de l'occupation rwandaise. Là, il faut préciser, Monsieur Nering Banda, je ne coupe pas la parole, là, il faut préciser que Tshibanda est quand même parmi les grosses pointures intellectuelles de notre pays. Mais qu'est-ce que vous appelez grosse pointure intellectuelle, Grégoire? Arrêtez cet amalgame. Vous comprenez, vous pouvez comprendre qu'un intellectuel qui sait que son pays est occupé par les étrangers, que celui qui est à la tête du gouvernement, à la tête du pays, est un étranger, qu'il travaille pour l'occupation de son pays, et que lui accepte d'être le porte-parole, l'instrument de cette occupation pour vendre son pays, vous me dites que vous l'appelez une élite. Ce n'est pas une élite pour moi. Peut-être intellectuelle, oui. L'intelligence, c'est autre chose. Mais la capacité morale, c'est aussi une autre chose. Il a étudié, certes. C'est quelqu'un qui est intelligent, certes. Mais l'intelligence seule ne suffit pas, Grégoire. Il faut des valeurs morales. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'université. Nos ancêtres qui sont là-bas, il y a des chefs coutumiers aujourd'hui qui se battent à l'est du pays pour leur pays. D'autres ne savent pas lire, mais ils connaissent la valeur de ce que veut dire un pays qui appartient aux Congolais. C'est de cela dont moi j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin des diplômes et des titres et des docteurs et tout cela. Je m'en balance éperdument. Il ne faut pas faire l'amalgame, Grégoire. Ce n'est pas parce que vous avez fait des études que vous avez des valeurs morales. Non. Il y a l'étude, il y a l'instruction, mais il y a l'éducation. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Onuring Banazambokwatumba. Nous passons à un autre sujet. Le 2 août prochain, nous supposons que c'est demain, donc les Congolais vont commémorer l'invasion manquée de la ville de Kinshasa par les troupes rwandaises. Et grâce bien sûr au courage du peuple kinois. Que signifie alors pour vous, M. Nering Banazambokwatumba, cette journée? Et quel message avez-vous pour le peuple congolais à cette occasion? La date du 2 août 1998 aurait pu être enregistré dans les annales de l'histoire de notre pays comme une grande date
de la libération de notre pays. Malheureusement, je dis bien malheureusement, par manque de leadership à la tête de notre pays à l'époque, cette volonté, cet élan populaire du peuple congolais n'a pas été maximisé au sommet de l'État pour déraciner toutes les racines, permettez-moi cette tautologie, de l'occupation. On aurait pu, en ce moment-là, quand le peuple congolais se levait pour bouter dehors ou d'abord stopper l'agression de la deuxième occupation de notre pays, parce que la première avait eu lieu en 97. Mais quand le peuple s'est levé, si Laurent Désiré Kabila avait saisi cette occasion, il aurait pu se réhabiliter, parce que c'est lui qui nous a amené l'occupation. Il faut pas oublier, hein, on n'efface pas l'histoire. Cette occupation, c'est Laurent Désiré Kabila qui nous l'a amené avec les Rwandais, avec les Kadogo. C'est lui. Donc en 98, quand il s'est ressaisi pour dire aux Rwandais rentrez chez vous, et qui sont revenus pour marquer l'occupation de Kinshasa, c'est le peuple congolais, les Kinois particulièrement, qui se sont levés pour pouvoir résister à cette agression. Et si Laurent Désiré Kabila avait saisi l'occasion pour éradiquer complètement tous les Rwandais que lui-même connaissait bien, les Rubérois, les Kanambe, le commandant Hippo, tous ceux qui étaient avec lui, s'il avait pris en main toute la situation pour les renvoyer directement, je crois qu'on aurait pu retenir cette date-là comme notre date de libération. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais le message, c'est quoi? Le message, la première leçon, c'est que cette journée du 2 août 98 devrait nous servir d'une référence. Voilà ce que moi j'appelle la résistance, une démonstration de ce qu'est la résistance. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, beaucoup de Congolais me font des critiques qui ne m'intéressent pas parce qu'ils ne comprennent pas que moi j'ai fait de la résistance. Parce que la résistance, ce n'est pas une rébellion. Moi, je ne suis pas là pour dire une armée s'élève et puis nous allons combattre une fraction de l'armée pour tuer les innocents civils et tout. Nous avons vu ce que les rébellions ont fait pour notre pays. Combien de victimes ça a fait. Une résistance, ce n'est pas non plus une guerre civile. Pour dire, bon, nous nous levons, telle fraction du pays s'élève contre telle fraction, autre ou telle région va combattre telle autre région. Non. Et puis, la résistance, ce n'est pas non plus un coup d'État de quelques militaires ou officiers qui concoctent un plan et puis qui tuent et puis qui prennent le pouvoir pour s'asseoir et puis imposer maintenant leur pouvoir. Ce n'est pas ça non plus. La résistance, c'est ce que nous avons vécu le 2 août 1998. C'est un peuple, un élan populaire d'un peuple qui se lève. Ce jour-là, on n'a pas vu les militaires dans la rue, les militaires congolais. C'était le peuple, c'était la jeunesse, les mamans. À main nue, ils utilisaient leurs mains, ils ont mis des pneus. Dans le cou des militaires, ils les ont maîtrisés à main nue. Voilà pourquoi j'ai dit que la résistance, c'est comme la levure qu'on met dans une pâte. Et ça soulève la pâte. Et là, quand ça soulève, c'est comme le volcan, la lave de volcan qui sort. Et cette magma-là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, personne ne résiste à cette puissance-là. C'est ça, cette leçon. Et le peuple quinois s'est levé pourquoi? Parce qu'il avait compris et elle avait vu le danger. C'est voilà pourquoi quand le peuple prend conscience du danger, depuis le début, et les gens qui ne comprennent rien,
au combat que je mène. En Gbanda, tu parles beaucoup, tu parles, je parlerai, parce que le combat, c'est la communication. Il faut que mon peuple soit conscientisé. Et Dieu merci, aujourd'hui, ils ont peur. Si vous voyez que même les États-Unis commencent à changer de discours, c'est parce qu'ils s'en rendent compte. Je disais tout à l'heure pour Tshibanda. Tshibanda est allé aux États-Unis, n'a pas pu parler. Mais pourquoi le griot qui est à Kinshasa, Mende Omalanga, tout le temps il est là devant les journalistes kabylistes en train de gesticuler le Rwanda, l'occupation, le Rwanda, l'occupation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le discours que nous tenons, le peuple congolais commence maintenant à en prendre conscience et à l'adopter. Mais ce n'est pas seulement devant les journalistes qu'il faut crier, c'était là, aux Nations Unies, qu'il fallait maintenant parler du Rwanda. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir à votre question et dire que la grande leçon que je tire et l'exhortation que je fais à vous, patriotes congolais, de la résistance qui avait accepté qu'ensemble nous puissions poursuivre ce combat de la résistance, notre premier combat doit être la communication. Voilà pourquoi les derniers jours qui se sont passés ici, je vous ai réunis tous, les patriotes de la communication des radios, pour dire vous êtes l'affaire de lance. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ils comprendront quand ils seront déjà les quatre fers en l'air. Mais la communication, c'est ça notre force. Quand le peuple a reçu la communication, le peuple se met debout, et quand le peuple se met debout, plus rien ne peut l'arrêter. Merci. Merci bien, Monsieur Nringwana Zabokwatumba. Là, vous venez quand même de brosser le tableau du régime d'occupation, bien sûr, qui a assujetti notre peuple. Ma troisième question est celle de savoir, il y a une situation qui prévaut dans notre pays. Joseph Kabila, celui qu'on appelle Joseph Kabila, vient de signer deux ordonnances portant nomination de 136 généraux et mettant en retraite plusieurs officiers supérieurs et généraux congolais. Vous aviez prévenu le peuple congolais à propos de cette opération. Alors, il y a quelques temps, bien sûr, mais maintenant que c'est accompli, quel message avez-vous aux officiers militaires congolais et pour limiter les dégâts donc, de cette opération? Vous savez, la première chose que je peux dire à tous les Congolais, y compris les militaires, c'est que ne soyons pas naïfs. J'ai suivi les images des mascarades qu'ils ont faites et des bruits qu'ils ont faits. Et je crois que vous avez lu, pas notre analyse, mais quelques observations seulement que l'œil du patriote a faites au sujet de cette mascarade. Je ne reviens pas là-dessus. Chacun n'a qu'à le lire. Mais ce que je veux dire au peuple congolais et aux officiers congolais, c'est ce que je leur ai dit depuis toujours. Arrêtez et cessez d'être naïfs et de croire que en se préoccupant simplement de votre ventre et de votre petite famille, vous allez être mis à l'abri. Il y a quelque temps, j'avais prévenu les mêmes officiers. J'avais dit, faites attention, parce que beaucoup de ces officiers-là ont combattu et ont dénoncé le combat de l'occupation. Si nous avons du retard, c'est à cause de beaucoup parmi eux. Et j'ai vu dans la liste beaucoup de ces officiers qui nous ont dénoncé, qui ont combattu la libération, mais la plupart sont tous partis en retraite. Parmi eux, il y en a maintenant qui reviennent pour dire « Ah, Honoré, vous aviez raison et tout cela ». J'ai dit non, attention. Ne venez pas avec cet égoïsme dans la résistance. Vous avez refusé
de regagner la résistance à cause de votre égoïsme. Maintenant, vous revenez à la résistance à cause de votre égoïsme, parce que c'est que les petites miettes qu'on vous donnait là-bas, on vient maintenant de fermer le robinet. Non, ça ne marche pas comme ça. La résistance ne marche pas comme ça. La résistance, c'est un état d'esprit de sacrifice, un état d'esprit d'amour pour son pays. On ne se sert pas du pays, on sert le pays. Mais nous, les Congolais, nous, les cadres élites congolais, nous voulons nous servir le pays, du pays. Il faut que le pays soit là à notre service. Non, c'est nous qui sommes au service de notre pays. C'est nous qui sommes au service de notre peuple. Et pas l'inverse. Et maintenant, là, ce que je leur avais dit, je leur répète aujourd'hui. Ne soyons pas naïfs. Ne croyez pas que demain, Kabila, alias Hippolyte Kanambe, ce Kanambe ne fera jamais rien pour doter la République démocratique du Congo d'une armée puissante. Certes, ce bonhomme n'est pas intelligent, mais il est malin. Il n'a peut-être pas étudié, fait des études comme les Tshibanda, comme vous m'avez dit tout à l'heure, mais il est plus malin que les Tshibanda et tous les autres. Il ne va pas scier la branche de l'occupation sur laquelle lui et ses frères rwandais et ougandais sont assis. Jamais. Si les Congolais croient ça, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. Non. Kanambe ne le fera jamais. Et je les avais prévenus que dans les jours qui vont venir, il est en train de préparer ses frères rwandais. Dans les jours qui vont venir, il va maintenant nettoyer tous les Congolais, les mettre de côté pour y placer ses frères rwandais. Ah, ce sont des bois verts que j'ai ramassés sur ma tête. Des Congolais qui m'ont injurié et tout, mais aujourd'hui, c'est eux. C'est eux qui sont maintenant dans le panneau. Malheureusement, c'est notre pays qui en prend un coup, c'est notre peuple qui en prend un coup. Mais je dis à quelque chose, malheur est bon. Parce que maintenant, ce sont les militaires qui sont à la base qui prennent de plus en plus conscience. Et je ne jette pas non plus l'anathème sur tous les officiers. Il y a plusieurs braves officiers qui prennent maintenant conscience qu'il faut maintenant que ce soit nous-mêmes les Congolais qui puissions nous lever pour pouvoir libérer notre pays. Donc si ce qui vient de se passer là, les Congolais, les militaires, les officiers congolais ne comprennent pas, ils ne comprendront alors plus jamais rien. Mais j'espère, et j'en ai des indices, que beaucoup ont compris. Que beaucoup ont compris maintenant ce qui se passe. C'est à eux de tirer maintenant les conséquences et les leçons de ce qui vient de se passer. Regardez dans cette mise en retraite, parmi ceux qui ont été mis en retraite, parce que je vous ai dit, nous vous l'avons dit dans l'œil du patriote, nous sommes en train de faire un fichier approfondi de cela, parce que cette mise en place nous a fourni beaucoup de renseignements opérationnels. Mais parmi les officiers qui ont été mis en retraite, 92% sont des officiers de l'Équateur et du Kassai, et des deux Kassai. Tandis que dans la promotion, inversement, il n'y a eu que 3 parmi les officiers généraux, 3 seulement de l'Équateur et 4 pour les deux Kassai. Ils sont 136. Les autres, ils viennent d'où? Suivez mon regard. C'est de l'Est. Et de l'Est, parce que là, à l'Est, a eu lieu l'intégration massive des officiers rwandais qui se font passer pour des Congolais. Alors, en les déversant maintenant en grand nombre au sein de notre armée, au niveau du commandement, on boucle la boucle. Et de deux, beaucoup d'officiers à qui on a donné des grades
La plupart, ils sont allés, on lui donne des grades, il va aller à la retraite. Ils les mettent plutôt à la retraite. Maintenant, les officiers qui ont été mis à la retraite, enfin, ils entrent dans leur propre résistance contre l'autorité établie, mais uniquement pour réclamer leurs émoluments de fin de fonction et leurs conditions de retraité. Vous voyez, c'est ça le malheur. On ne se limite qu'à son ventre, qu'à ses conditions. Ils ne comprennent pas que maintenant, dans cette situation-là, c'est le sort de tout un pays. On a payé leurs études, leurs formations dans les grandes académies de l'étranger avec l'argent du peuple congolais. Mais ils sont en train de négocier simplement leurs conditions. Mais qu'avez-vous fait de tout l'argent du peuple congolais qu'on a investi pour vous, pour votre formation dans les grandes académies militaires à l'étranger? Aujourd'hui, vous êtes en train de négocier simplement votre retraite. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est pitoyable et énervant à la fois. Que nous, les cadres, pour qui le pays a investi, on ne veut pas utiliser notre expérience, cet investissement pour le peuple à notre tour avant de partir et de laisser quelque chose à la jeunesse qui va prendre la relève. Tout ce que moi je le fais pour la relève, pour vous, les Grégoire, vous qui, votre génération. Parce qu'il y a eu devant nous la génération de ceux qui se sont battus pour l'indépendance. Mais il y a maintenant notre génération. Nous devons nous battre pour la libération, pour laisser à votre génération un héritage pour aller de l'avant, pour construire et bâtir maintenant un pays plus beau qu'avant. Moi, je ne suis pas là pour être en conflit avec... la génération, je travaille plutôt pour la génération, votre génération. Moi, je suis là pour vous former, pour vous transmettre le peu d'héritage que j'ai pour que vous, à votre tour, vous puissiez faire l'économie de temps. Moi, j'ai mis peut-être 5, 10, 20, 30 ans pour comprendre certaines choses, mais je vous le donne directement. Quand je vous donne l'exemple ici pour dire que quand un homme comme Tshibanda arrive à l'ONU et prononce ce discours-là, ne voyez pas Tshibanda, mais voyez celui qui a envoyé Tshibanda. C'est le fruit de l'expérience. C'est pour que vous puissiez l'utiliser. Mais qu'est-ce qui arrive parmi vous? Il y a toujours des jeunes qui n'ont aucun sens de l'histoire et ils préfèrent plutôt s'en prendre en Banda. Pourquoi tu parles? Allez-y comprendre quelque chose. Mais je crois que les militaires qui hier ont voulu sacrifier leur pays pour servir Kanembe et ceux qui sont restés dedans comprennent aujourd'hui qu'ils doivent tirer toutes les leçons de cela. S'ils ne le tirent pas, malgré, avec ou sans eux, nous libérerons le pays et ils rendront compte demain à l'histoire. Merci. Merci bien, Monsieur Noringwanda Zambokwatumba. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs de nos médias patriotiques que nous avons le père de la résistance en ligne aujourd'hui pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale à propos donc des sujets brûlants de l'heure. Passons un petit peu au niveau des Grands Lacs, Monsieur Noringwanda Zambokwatumba. La tension monte d'un cran entre la Tanzanie et le Rwanda. Alors, comment voyez-vous la suite des événements et quels conseils donnez-vous aux patriotes congolais et aux militaires? On rappelle très bien que non, cette tension est conséquente à la déclaration du président tanzanien donc à propos du vrai problème qu'il avait posé entre le Rwanda et l'Ouganda afin qu'ils s'assoient à la même table avec leurs rebelles qui sont sur le territoire congolais. Alors, quels sont les conseils que vous donnez au peuple congolais et surtout aux militaires congolais? Grégoire, avant de donner les conseils, parce que les conseils ce seront toujours les mêmes, mais avant de donner les conseils, j'aimerais plutôt vous donner ma lecture de cette situation, de ce conflit entre la Tanzanie et le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Pourquoi le président tanzanien est monté au créneau? Et pourquoi dans sa menace
dans sa réaction vis-à-vis de Kagame, il est monté à un niveau supérieur. C'est lui maintenant qui menace le Rwanda et qui menace Kagame de lui faire subir le sort que la Tanzanie avait fait subir à Idi Amin Dada. Mon fils, il faut, dans l'histoire, il faut toujours, quand il y a des faits comme cela, il faut essayer de creuser pour voir ce qu'il y a derrière. La Tanzanie a compris une chose que nous, l'élite congolaise, nous ne voulons pas comprendre. La Tanzanie a compris que ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo, c'est un schéma dans lequel eux figurent. Le problème, vous savez, Grégoire, c'est que nous, les Congolais, nous n'aimons pas beaucoup nous informer, nous instruire. Nous passons plus notre temps à nous injurier les uns les autres, à nous stigmatiser, à nous vilipender en public au moment où les autres s'occupent de notre pays. Si aujourd'hui je pose la question, combien d'élites congolaises, d'élites congolaises ont lu le livre de François Mystère? Son titre, c'est « Vers un nouveau Rwanda, point d'interrogation, entretien avec Paul Kagame ». Je ne sais pas combien d'élites congolaises ont lu ce livre. Et pourtant, ce livre est sorti depuis 1995, avant même la guerre d'agression du Congo. Moi, j'ai lu ce livre début 96. Même dans mon livre « Crime organisé », à la page 97, si ma mémoire est bonne, je cite le livre de François Mystère, l'extrait dont je vais vous parler tout de suite là. Dans le livre d'entretien de François Mystère avec Paul Kagame, en 95, il lui pose une question, parce que c'est pratiquement un livre interview. Il lui pose la question à Kagame. Il dit, mais vous avez libérer l'Ouganda. C'est vous, les Tutsis rwandais, vous avez libéré l'Ouganda. Museveni a voulu vous donner la nationalité ougandaise. Vous avez refusé, pourquoi? Réponse de Paul Kagame. Il dit, nous avons libéré l'Ouganda. Même si Museveni nous avait donné la nationalité ougandaise, nous allions refuser. Parce que notre objectif, ce n'est pas l'Ouganda. Notre premier objectif, c'est de récupérer le Rwanda. Après, mais il dit très bien, à la page 82 de son livre, il dit très bien, le livre de Mystère, Kagame dit très bien, mais notre objectif final, ce n'est pas seulement le Rwanda. Ceux qui n'ont pas lu ou ceux qui doutent, ils n'ont qu'à aller le lire. Il dit, notre objectif, ce n'est pas le Rwanda, parce qu'après le Rwanda, il y a le Burundi. Or, quand il faisait cette interview, il venait de tuer le président burundais avec le président rwandais Habyarimana. Donc, ils ne les ont pas tués ensemble et ce n'était pas hasard. C'était dans le plan. Parce que Kagame dit, après le Rwanda, c'est le Burundi. Et après le Burundi, il y a le Zaïre et la Tanzanie. Allez lire ce livre, je vous renvoie à ce livre. Il y a le Zaïre et la Tanzanie. Et comme nous, les Zaïrois, nous ne lisons pas, mais les Tanzaniens lisent. Parce que vous savez, quand mon livre Crime organisé est sorti. Deux semaines seulement après, mes collègues à Dar es Salaam m'ont dit que le gouvernement tanzanien avait donné ordre de traduire ce livre en anglais et de le mettre à la disposition des services tanzaniens. Vous voyez, au moment où les Congolais sont en train de m'injurier, les Tanzaniens avaient traduit le livre en anglais et l'ont donné à tous les services pour l'analyser. Ce qui fait que la Tanzanie suit de très près. Et la Tanzanie sait que si la République démocratique du Congo tombe, le prochain sur la liste, c'est la Tanzanie.
J'ai essayé d'écouter un peu vos commentaires. Tanzanie, la Tanzanie est le suivant sur la liste. Il sait. Voilà pourquoi il est monté directement au créneau. Voilà pourquoi il a pris le courage de dire le problème est au Rwanda. Le problème n'est pas en RDC. Parce qu'il sait. Parce qu'ils se sont informés. Et comme je l'ai dit dans l'un de nos publications dernièrement, les Tanzaniens ont subi exactement ce que nous on a subi depuis 1950. Les réfugiés rwandais qui fuyaient en République démocratique au Congo à l'époque, au Congo belge à l'époque, fuyaient aussi en Tanzanie à l'époque. Donc ce qui fait que chez eux, ils ont les tares de ces émigrations tutsies rwandaises comme chez nous. Et lorsque les problèmes ont commencé chez nous, les Tanzaniens, les services tanzaniens qui ont fait l'enquête ont constaté que tout ce que nous dénoncions dans crime organisé, l'infiltration depuis Bisengimana et tout, en faisant l'étude chez eux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà minés jusqu'au cou. Et que déjà aussi les préparatifs de subversion pour renverser le pouvoir en Tanzanie étaient très avancés. La Tanzanie n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Ils ont tapé dur. Ils ont renvoyé tous les réfugiés tutsis rwandais qui avaient même reçu la nationalité tanzanienne, on les a tous refoulés. La communauté internationale a crié, ils ont refoulé. Voilà le fond du problème. Et aujourd'hui, Kagame utilise la même méthode qu'il avait utilisée chez nous en 1996. Le mensonge. Qu'est-ce qu'il dit? L'officier tanzanien qui est à la tête de la brigade spéciale d'intervention rapide a pris contact avec les FDRL à Goma pour commencer à les aider pour aller attaquer le Rwanda. Conclusion, Kagame veut prendre prétexte pour ça. Exactement comme il avait fait en 95, 96, 98, en République démocratique du Congo, ils ont déversé les réfugiés chez nous. Mobutu dit, on vous renvoie vos réfugiés. Il utilise la communauté internationale pour refuser maintenir les réfugiés chez nous et dire, vous préparez d'attaquer le Rwanda avec ces réfugiés, nous venons pour nous protéger. C'est le même schéma qu'il veut faire avec la Tanzanie pour dire le commandant de la brigade d'intervention rapide de l'ONU qui est tanzanien veut maintenant composer avec les FDRL pour pouvoir attaquer le Rwanda. Donc le Rwanda est en mesure d'aller attaquer la Tanzanie. C'est pour cette raison que Jakaya lui a dit « Never, vous l'avez fait avec les Congolais mais vous ne le ferez pas avec nous. Vous essayez, nous allons taper dedans. » Voilà le nœud du problème. Voilà le fond du problème. Kikwete sait que si le Congo tombe, le prochain sur la liste, ce sera la Tanzanie. Et ce sera peut-être aussi le Congo-Brazzaville, s'ils ne le savent pas. Mais moi, je sais qu'ils seront sur la liste. On en parlera peut-être. Voilà pourquoi je vous dis que le seul conseil que je donne, pas aux collabos congolais, mais aux résistants patriotes congolais. Organisons-nous nous-mêmes. Voilà comment est-ce que Jakaya Kikwete est allé aux États-Unis? Est-ce qu'il est allé à Londres? Il a dit aux Rwandais, essayez, vous allez voir, on vous fera ce qu'on a fait à Idi Amin Dada et on va nettoyer et balayer votre pays de la carte de l'Afrique. Voilà comment un pays réagit. Mais nous, on ne peut plus parce qu'on a déjà l'occupation chez nous. Alors battons-nous d'abord pour nous dégager de cette occupation et nous allons voir si ce petit Rwanda qui n'est même pas le tiers de Kivu va pouvoir tenir tête devant nous. Merci beaucoup.
Merci bien, Monsieur Nouring Bandazambo-Kwatumba. J'espère très bien que la connexion est favorable pour que nous continuions avec notre entrevue. Avant que nous terminions, j'ai la dernière question. C'est à propos de ce qu'on appelle aujourd'hui, pompeusement, concertation nationale. Joseph Kabila, ou Hippolyte Kanamé, est allé solliciter la médiation du président Sassou Nguesso du Congo-Brazza à propos de ses concertations en RDC. Mais cette nouvelle continue de diviser la classe politique congolaise. Et quelle est votre opposition à ce sujet? Mais puisque je suis en train de parler du Congo-Brazza, vous le savez, vous êtes branché par le canal de vos services, la tension est très très forte maintenant entre les Congolais de Kinshasa et ceux de Brazzaville à propos d'une vidéo qui est relayée sur le net montrant un responsable politique pour politico-militaire, le général Dengue, en train de proférer des menaces contre les Congolais donc de Kinshasa. Et quelle est votre position à ce sujet alors que la diaspora congolaise est vraiment montée au créneau pour dénoncer ce comportement des autorités policières ou militaires de Congo d'en face? Je commence d'abord par vous répondre au sujet de l'intervention, la fameuse intervention du président Sassou Nguesso dans les concertations politiques dans notre pays. Grégoire, je reviens sur ce que j'ai dit à la classe politique congolaise. Il faut vraiment, je le crois très sincèrement, il faut que l'élite congolaise et la classe politique congolaise subissent un sévrage intellectuel. Et je crois en ce que je dis. Nous avons besoin d'être sévrés. Parce que je ne comprends pas cet infantilisme, cette gaminerie, cette niaiserie qui habite l'intellectuel congolais de vouloir toujours dépendre des autres. Mais combien d'hommes politiques africains, de personnalités politiques africaines ne sont pas déjà intervenus dans cette crise des Grands Lacs et dans ce processus d'occupation du Congo? Nous avons connu Massiré, nous avons connu Mandela, nous avons connu Thabo Mbeki, nous avons connu Obasanjo, nous avons connu Moustapha Niassé du Sénégal. Mais combien d'hommes africains nous allons faire venir pour essayer de résoudre nos problèmes? Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon aîné, Denis Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce qu'il a à faire avec nos affaires, nos problèmes internes? Vous croyez, qu'est-ce que Sassou Nguesso va pouvoir faire? Il a déjà beaucoup de problèmes chez lui, qu'on le laisse tranquille. Il a beaucoup de problèmes chez lui, qu'on le laisse tranquille. Il a des problèmes à résoudre chez lui. Nos problèmes, ce n'est pas les personnalités africaines. Est-ce que les Congolais ont un problème? C'est ça d'abord le problème. Posons le problème de fond. Sassou Nguesso va venir pour se mettre entre Congolais et dire quoi? Les Congolais n'ont pas de conflit. Est-ce que vous pouvez me citer deux ethnies qui se battent en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pouvez me citer deux provinces qui sont en guerre? Denis Sassou Nguesso va venir pour réconcilier qui et qui? Le problème qui se pose chez nous, ce n'est pas le problème des Congolais. Le problème qui se pose chez nous, c'est le problème de l'occupation. Et le comble du ridicule dans tout ça, c'est l'homme qui incarne l'occupation, qui traverse de l'autre côté, pour dire, président Sassou, allez mettre les Congolais d'accord entre eux pour que les Congolais me laissent les dominer. C'est ça, c'est ça le processus. Qu'on prenne l'étranger rwandais, Kanambe, qui va maintenant demander à Denis Sassou Nguesso, grand frère, parce qu'il est aussi africain, même s'il est rwandais, il dit, grand frère, venez chez nous, moi je suis proconsul là-bas, mais il y a des problèmes avec mes serviteurs qui sont là-bas, mes esclaves qui sont là-bas. Ils se battent et d'autres ne veulent pas accepter mon autorité, mais il y a une équipe qui me soutient, mais une équipe qui résiste encore vis-à-vis de mon autorité. Allez les mettre d'accord. C'est ça.
Mais enfin, arrêtons ce jeu. C'est un jeu ridicule qui ne nous honore pas. Le vrai problème chez nous, c'est le problème de l'occupation. Aujourd'hui, Grégoire, ce n'est plus Honoré Mbanda qui parle. Vous avez été témoin, vous avez des preuves devant vous. Le général rwandais, excusez-moi, le général rwandais, Karegeya, qui était le chef des services de renseignement de Paul Kagame, se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. Et il est le chef des services de renseignement militaire. Cela veut dire que c'est l'homme qui conçoit, qui pense et qui planifie l'opération. Il a occupé le poste de service de renseignement nommé par Kagame. Kagame connaît l'importance de ce poste parce que lui-même était chef des services de renseignement lorsqu'ils ont attaqué l'Ouganda pour chasser Obote. Il connaît l'importance de ce poste-là. C'est ce poste-là qui lui a permis même d'assassiner ses concurrents au sein du FPR comme Fred Rugema. Il le sait, il connaît l'importance de ce poste. Donc, ce général-là, Karegeya, a fait la déclaration. Vous l'avez devant vous, Congolais. Ce n'est pas Honoré Mbanda pour que vous puissiez l'injurier. Là, c'est un Rwandais, un Tutsi Rwandais. Il a dit très clairement que l'attaque de la République démocratique du Congo depuis 1996 est l'œuvre du Rwanda avec l'appui des étrangers. Il l'a dit. Il a confirmé que toutes les soi-disant rébellions que nous avons connues depuis 1996 avec Laurent Désiré Kabila, avec le CNDP, avec le RCD Goma, avec le M23, tout cela est l'œuvre de Kagame. Alors, vous voulez aller chercher quoi, mes frères? Toutes les preuves sont maintenant sous nos yeux. Et quand Kagame est arrivé au Zaïre en 96, l'homme qui a fait les opérations s'appelait James Kabarebe. Il avait à ses côtés son neveu qui s'appelait Hippolyte Kanambe, commandant Hippo, que vous appelez aujourd'hui votre raïs, Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous voulez, mes frères congolais? Quel langage peut-on utiliser pour que vous puissiez comprendre que ça ne sert à rien? Tout ce qu'on dit, concertation, faites ceci, constitution et tout cela, ça, ce sont les conséquences. Attaquons-nous à la cause. Lorsque nous résolvons la cause, et la cause aujourd'hui, c'est la nationalité et l'origine de Hippolyte Kanambe. Pas qu'il est le plus important, mais parce qu'il est le maillon le plus important. C'est ce maillon-là qui sert que Kagame, Museveni et tous leurs alliés puissent augmenter et poursuivre le processus de l'occupation, de la balkanisation et de l'anéantissement de la nation congolaise. Alors, quel langage et quel conseil voulez-vous qu'on puisse encore donner aux Congolais? Toute la vérité est là, elle est connue. Mais quand je le dis, ce sont les Congolais, les jeunes comme vous, qui allez passer plutôt pour m'injurier. Et de l'autre côté, à Kinshasa, je le sais depuis un certain temps, une cellule rwandaise est mise sur pied qui s'occupe exclusivement de la Pareco, de son président, des cinq radios que vous constituez de l'occupation et maintenant du front
des résistants congolais qui viennent de se regrouper parce qu'ils savent que ces groupes-là, cette équipe-là, c'est le seul qui met le doigt dans le vrai problème. Le vrai problème qui est le problème de l'occupation. Le vrai problème qui est le problème de la présence d'un Rwandais à la tête de la République démocratique du Congo. À partir du moment où vous avez un étranger rwandais frauduleur, qui applique le mensonge et la fraude, qui ment et qui est à la tête du pays, mais tout le reste est fauté. Les élections, la constitution, tout ça, ça n'a plus de valeur. Mais quand vous dites non, maintenant nous allons faire en sorte que on puisse voir un article de la constitution, que l'on puisse voir le résultat des élections, tout cela vous êtes en train de reconnaître implicitement que celui qui est au sommet est légal. Voilà le piège. Voilà le piège que je relève et j'insiste encore à mes frères congolais. Le vrai problème est et le vrai problème reste la présence de l'occupation chez nous et cette occupation est incarnée par un homme. Cet homme s'appelle Hippolyte Kanambe. Tant que nous ne restons pas focalisés sur lui, nous allons d'une manière ou d'une autre servir l'occupation. C'est ça le conseil que je donne. Et c'est ça qui m'amène à répondre brièvement à la sous-question que vous soulevez. Vous savez, j'ai dit, le président Sassou Nguesso, c'est mon grand frère. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Parce qu'il est aux affaires avant moi. Si vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne savez pas reconnaître la valeur des aînés, nous, notre génération, on a été élevés à reconnaître la valeur des aînés, même quand ils commettent des erreurs. Et moi, la première leçon que je... le premier conseil que je donne, je le donne à mon grand frère Sassou Nguesso. Il y a des choses que je lui ai fait parvenir, que je ne vais pas dire ici en public. Mais ce que je peux dire, c'est que il sait qu'il est en danger. Je vous ai donné ici l'exemple de la Tanzanie. Le président Sassou n'est pas un petit enfant. Il sait qu'il est en danger. Aujourd'hui, le petit Rwandais qui est chez nous traverse chez lui pour dire « Venez m'aider à régler le problème ». Mais ce petit Rwandais-là est en même temps en train de recruter les gens autour de lui. Comme il avait fait avec Mobutu. Ils sont en train de recruter les gens autour de Sassou et même dans sa famille. Ils sont en train de recruter avec l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut aller loin. Mobutu a été surpris en dernière minute. Je l'ai mis dans mon livre, Ainsi sonne le glas. Et je l'ai mis de son vivant, je n'ai pas mis ça après. Njimbi était vivant quand j'ai écrit ce livre. Mama Bobby est vivant, elle est vivante. À Lomé, dans la voiture, à l'aéroport. Mobutu était dans sa voiture à l'aéroport. Quand je l'ai fait descendre de l'avion avec le premier ministre togolais à l'époque, le premier ministre de Yadem. Les premiers mots que Mobutu m'a dit, et je le dis à l'intention du président Sassou, les premiers mots que Mobutu m'a dit, « Ah, Mbanda, vous aviez raison. Même Njimbi m'a trahi. » Et il a pleuré. Mama Bobby est vivante. Elle est témoin. Parce qu'ils étaient dans la voiture à deux. Moi, je me tenais dehors à la portière. Mobutu a levé les yeux, il a dit « Mbanda, même Njimbi m'a trahi. » Et les larmes ont coulé. C'est pour dire que l'argent n'a pas de limite. On peut acheter les gens jusque dans votre famille. Et ce que je dis ici, j'en sais quelque chose moi-même. Mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Ce sont des signes.
ces gens-là qui font ces choses, ces collaborateurs du président Sassou qui font toutes ces déclarations. Moi, je demanderais plutôt au président Sassou de s'occuper d'eux très bien et de voir si ce travail-là qu'ils font, si c'est pour son bien ou ce n'est pas un piège pour lui-même. J'ai dit que les choses que je lui dis, d'une manière claire, je ne le répéterai pas ici en public. Mais le travail de noyautage et d'infiltration que Kanembe est en train de faire au Congo-Brazzaville est très, très, très avancé. Moi, j'ai des hommes à l'intérieur des services de renseignement du Congo. Et personne aujourd'hui ne peut le mettre en doute. Tout ce qui se passe à l'intérieur, au moins 80%, je suis au courant. Kanembe le sait, moi je le sais, Sassou le sait. Alors si je le dis aujourd'hui ouvertement, c'est pour que demain, le monde soit témoin pour dire « Mbanda, vous saviez mais ce que vous aviez dit à votre grand frère, voilà pourquoi j'ai dit cette petite partie-là, je le dis aujourd'hui pour que l'histoire soit témoin. » Il faut que mes frères congolais de Brazzaville qui aiment leur pays fassent attention. Les Rwandais ont déjà fait un travail de recrutement très, très, très avancé en Congo-Brazzaville. Jakaya Kikwete a pris la mesure de la situation, voilà pourquoi il est monté sur ses chevaux. Ce n'est pas un imbécile. Si l'homme qui est réputé être réservé est sorti de ses réserves, c'est parce qu'il a compris que le danger est là. Et je sais que le président Sassou Nguesso, qui est mon grand frère, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, sait de quoi je parle. C'est que je demande simplement aux Congolais, et surtout aux patriotes congolais, ne versez pas dans le piège des Rwandais pour commencer à vous attaquer au président Sassou Nguesso. Au contraire, aidez-le. Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin des frères africains avec lesquels nous devons bâtir la paix dans notre région de l'Afrique centrale. Mais prenez, mes chers amis, tout ce qui se passe maintenant, et c'est mon mot de la fin peut-être, tout ce qui se passe maintenant, prenez ça comme étant un grand signe de Dieu. Vous savez, quand vous voyez dans la Bible, Dieu, quand il dit que je combattrai pour vous, il ne vient pas avec des chars, mais il commence par mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les Américains étaient les alliés du Rwanda. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui commencent à dénoncer, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, comme je l'ai dit au début, mais ils commencent déjà à dénoncer le Rwanda et à mettre le Rwanda en garde contre sa présence en République démocratique du Congo. Les Rwandais entre eux-mêmes, les Tutsis rwandais qui avaient comploté et qui ont tout fait pour l'occupation du Congo. Aujourd'hui, vous trouvez des généraux Tutsis rwandais en Afrique du Sud qui commencent eux-mêmes à faire des révélations sur tout le complot qu'ils ont fait contre notre pays. Quand ça commence comme cela, sachez que le temps de Dieu arrive et que ceux qui ont des yeux spirituels pour voir qu'ils se mettent debout et que d'autres se mettent à genoux parce que le temps de Dieu est là. Ce pays nous appartient et nous ne combattons pas simplement avec notre force, nous combattons surtout avec le Dieu qui nous a donné ce pays. Parce que ce n'est pas un pays que nous avons arraché à qui que ce soit et le seul pays que vous et moi nous avons, c'est la République démocratique du Congo. Les autres qui sont là, ils ont 3, 4, 5 passeports, 3, 4, 5 nationalités. Si ça va mal, ils rentreront dans leur pays. Mais vous et moi, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Nous n'en avons pas 2, ni 3, ni 4. Alors, nous savons qu'en nous battant pour ce pays, en nous sacrifiant pour ce pays, le Dieu qui nous a donné ce pays combattra pour nous. Et les signes sont là pour montrer que la victoire est très prochaine. Je vous bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Honoré Nguenda Zamboko Atumba. Nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue d'aujourd'hui. Au nom de Congo Horizon et tous les médias patriotiques, la radio Polélé, la radio TV Bendélé, la radio Bossomi, la radio Kimpoza, la radio Lobico et tous les autres médias patriotiques, nous vous remercions très sincèrement de votre disponibilité et que Dieu de nos ancêtres vous protège. Nous disons et nous vous remercions.
Merci.